virtuel du coup. Il y a un truc que j'aime bien, attends, ça c'est bien. Je pourrais venir faire torcher, bah. C'est Marie qui a tout cassé. Marie, elle a tapé le téléphone. Oui, gros, c'est vrai, en voilà. Plus, c'est ma faute, quoi. La faute à Marie, elle a tout éteint la console. Et sur son téléphone, la pile, ils sont pas sérieux avec le rapide. Tu peux éteindre la console de la pile. Tiens, les gars. C'est nickel, hein. Ça fait stylé quand même. Hein. Ouais, c'est stylé. Je veux bien. Oh. Il y a plein de petits jeux, hein. Les robots, il y a la vache. Oui, je me suis trompé de bouton. Vous voulez cliquer sur le bouton Ben de Zabra, mais j'ai loupé. Ah. Ah oui, il y a des gens dedans. Du coup, je suis partie me chercher une petite bière. Ouais, excellent. Il m'a scanné. Moni. Qu'est-ce qu'il fait? Désolée, Froze. J'ai foutu le bordel. Oh. C'est eux ça. C'est pas les bébés qui sont dedans là. Si si, vas-y, vas-y. Petit bébé. Merci pour le doigté. Bah oui, Marie, elle a foutu le gros bordel. Un bordel de fou là dedans. Écoutez dedans. C'est cool. On ne peut pas voir dedans. Fais les sortir. Ah, attends. Créateur de jouets, transforme en dessin en jouet pour les mini-bits. T'as oublié ton jouet, Marie. Attends, je vais faire un truc pour attendre les ramasses. Bon. Regarde, tu as la manette. On est dans la manette, les gars. On va rester en fait, je trouve. Oui, c'est dans la manette. Bon, on peut partir de là, on peut revenir en mode normal maintenant. On a fini les conneries. C'est à cause de Marie que c'est parti en couille. Hein. J'ai rien fait. Attends, on va remettre le mode studio normal et un studio virtuel.
Ouais, y'a personne sur Red Dead du coup. Y'a quoi? Y'a personne sur Red Dead du coup. Ah bah là du coup, oui, c'est vide. Joe. Voilà, c'est bon. Tu peux mettre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux régler la château de Jerry Merly, ramener les photos. Ces choses-là. Voilà, c'est bon, t'inquiète. Il faut savoir jouer, Joe. Je sais pas jouer. Il faut savoir jouer du foie. Il y a plein de petites bêtes dans ma manette. Rigolo comme application, j'y passerai 10 jours à jouer à ça. Quand on regarde un petit peu, les Free Killer, ils doivent être tristes. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, petit poker. Oh, on la voit pas bien celle-là. Ah, l'entreprise. Ben du coup, moi, mon entreprise, j'ai dû la fermer parce que j'étais malade. C'est pour ça que j'ai fermé. Comme tu dis ça. Ah, vous avez pas 5 minutes pour que je vous explique The Night et Zabra? Oh les grisous. Une grève sur Red Dead. Ah, voilà, tu veux bien écouter. Donc, j'en vois encore si Day Night, il reste encore un petit coup. Oh, si, moi je veux le dire, c'est histoire d'être bien mis. Ça peut expliquer certaines situations de temps en temps. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, ça va durer 5 minutes, c'est juste le temps d'expliquer. Hein. Je ne compte pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est juste pour expliquer. Donc en gros, quand j'expliquais, j'avais une entreprise. Et en fait, à un moment donné, je suis tombé malade. Donc en gros, ben, vu que j'étais tout seul pour bosser, autant d'entendre Marie qui m'aidait, j'ai beaucoup forcé. Donc en fait, je me suis retrouvé avec 3 hernies inguinales. Hernie inguinale, c'est devant, c'est une sorte de déchirure abdominale. Donc voilà, obligé de faire une opération, tout régler. En même temps, je suis docteur, j'ai quand même pas mal mal au dos. Donc de là, je fais un petit IRM, on s'aperçoit que j'ai 3 hernies discales au dos. Donc en gros, je bossais en même temps, j'avais 3 hernies inguinales, 3 hernies, 3 hernies discales lombaires en même temps. Mais du coup, à un moment donné, je me suis aperçu aussi que j'avais un petit problème, une petite grosseur. Donc du coup, en fait, je me suis retrouvé avec un cancer. Donc en fait, là, ça fait maintenant 2 ans. Et du coup, voilà, ouais, je me soigne encore de ce cancer. Là, j'ai fini. Là, c'est rémission, c'est fini, tu vois, c'est bien repoussé, machin. Et tu vois, je me soigne de ça. Et du coup, vu que j'avais du temps, je me suis dit, je vais m'amuser maintenant, puis je vais faire un petit peu de stream. Donc voilà. Donc maintenant, j'en suis là. Mais c'est pour ça que de temps en temps, je peux être fatigué. Pour ça que je fais pas des 24 heures qu'on m'a déjà demandé, tu vois. On m'a déjà dit, ouais, fais des cheats, fais des machins de 24 heures, machin. Non, je peux pas, je fais beaucoup trop de fatigue encore. Donc tu vois, c'est pour ça que de temps en temps, comme tu vois, cet après-midi, il y en a qui ont joué avec moi, mais tu vois, j'étais très fatigué, tu vois, j'ai pas beaucoup parlé, fatigué, donc il y a des moments, faut pas m'en vouloir, des fois, si je peux pas faire trop de live, machin, mais c'est tout à fait normal, quoi. Des fois, j'ai encore beaucoup de fatigue. Mais voilà. Ah, un vrai survivant. Non, pour ça, je vous dis, faut pas lâcher. Des fois, on peut avoir des problèmes, mais c'est pas grave. Faut pas s'arrêter à ça. Dans la vie, il y a d'autres choses. Faut pas s'arrêter, quoi. Faut y croire. Faut être battant. En tout cas, ça a été un putain de battant. Hein, je vous le dis. Il était pas sauvé. Hein. Ah ouais, c'était pas sauvé. Hein. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on a détecté ça très tard. Donc, du coup, c'était quand même bien avancé. Les docteurs, ils étaient pas très chauds. Et au final, c'est bien passé, quoi. Voilà, donc j'en ai jamais vraiment parlé, histoire que, ouais, voilà, c'était ma vie, voilà. Maintenant, on est un peu plus proche. Comme je vous ai dit, vous êtes des viewers qui sont là depuis assez longtemps maintenant. Donc, voilà.
Comme ça, vous, vous savez, on continue, on oui, s'en voilà, fout. puis ça explique certaines voilà. choses. Comme ça, déjà, voilà, ça peut vous expliquer comme quoi, des fois, je peux être fatigué ou irritable, parce qu'un mal de dos, je vous jure, ça joue sur le mental, un truc de dingue. Hein, d'être toujours agacé par une douleur, c'est pas facile. Donc, en fait, je trouve la morphine tous les jours, petite morphine, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Mais si j'ai pas ça, je dors. En fait, je suis épuisé. Si j'ai pas ça, je suis épuisé, il n'y a pas de vie. Donc, voilà. Mais ça, vous savez, voilà. C'est pour ça qu'en fait, ça me fait rigoler quand il y en a des fois dans le chat, il y en a, j'en ai déjà eu des fois des mecs qui me marquaient. Ah ben voilà, encore un qui n'a pas de boulot, qui profite du système, machin. Mais les mecs, ils savent pas derrière que tout le monde n'est pas comme ça en fait. Hein. Ouais, on a tous une petite clair. Vie, on n'est pas tous pareils, donc voilà quoi. Nul phrase. Eh ben merci Jo, je t'en remercie. Pas de soucis, frérot, t'inquiète. C'est bah ouais, petit à petit. Ouais. Mais bon, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, voilà. Il est bien remonté. Et... Ah ben bah, c'est ça, c'est la vie, hein, faut y aller, quoi. Oui. Hein. Oui, voilà, il faut avancer, il faut pas s'emmerder, quoi. Il y a tous des soucis, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est la vie, il faut vivre avec ses soucis. Donc faut avancer, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, c'est ça, tous des problèmes. Ce qu'il faut, ben, c'est en faire une force, oui, en fait. Voilà. Faut les prendre, en faire une force, faut pas s'arrêter à ça. Sinon, t'avances pas, hein. Faut pas s'emmerder. Hein. Ça, c'est clair. Sinon, t'es foutu. Hein. Ouais, c'est ça, Frose. Le problème, c'est vu que je ressors d'une grosse chimio, c'est compliqué de faire du sport pour le moment parce que c'est... Et j'ai pris des doses de produits toxiques, mon gars, t'imagines même pas. Il avait une espèce de perche avec au moins, il y a quoi, 4 produits différents. Oui, 5 produits différents. Des grosses poches et tout, c'était. Il faut quand même voir que t'avais un mec qui était à côté de moi dans la piole d'hôpital qui avait quand même une poche amère d'une poche à pisse qui me disait qu'il voulait pas mon traitement, j'hallucinais quoi. Donc voilà, pour le moment, l'exercice, je vais en faire, mais il faut d'abord que le corps il aille un petit peu mieux, tu vois. Mais bon, ça va venir, c'est qu'une question de temps. Maintenant, c'est que du temps, voilà. Il y a même une opération qui existe hein, pour son problème, mais... Mais ils sont pas très chauds. Ouais. Ouais. Ouais, pour le moment, pour opérer, c'est un petit peu chaud. T'as ouais. une chance sur deux, quoi. Mais c'est soit bon. Ça marche, ou soit ça marche pas et tu restes paralysé. Voilà. Ou... Voilà. Donc, Et c'est pour ça que vous m'aidez bien, du coup. C'est pour ça que de faire des lives, du coup, de voir des gens, de discuter, de voir qu'il y a du positif quand même quelque part... C'est cool, ça fait du bien, c'est bien, c'est cool. Ouais, ça fait du bien de pouvoir parler à des gens. Parce que du coup, il sort pas énormément non plus. Je remercie The Night. Ah ouais, difficile chaque sortie de sortir. Pour lui, elle est un peu compliquée. Quoi. Ouais, c'est très éprouvant. Quoi. C'est pour ça que des fois, bah, je sors toute seule. Pas toute seule, avec ma fille, mais des fois, je suis pas là. Quoi. T'inquiète, je joue à survivant, mon gars. Toujours la banane, tu vas pas m'écraser comme ça. Donc là, vous faites partie du cercle fermé maintenant. Merci, Jo. Cours, Forest. C'est ça, Grisou. Mais comme tu dis, Youbud, un jour à la fois. Oui, nickel. De toute façon, on lui a expliqué direct. Hein. On est des parents, on est francs en direct. Il n'y a pas de. Voilà. Donc on lui a expliqué la situation. Ben ouais, et notre fille, elle a une force. Ouais. Mais truc de ouf, moi, elle a bien géré quand même. Elle m'a soutenue dans ce moment-là, c'est ma fille quand même, elle m'a soutenue. J'étais pas non plus. Mais elle j'ai soutenue nous aussi, mais merci. Super forte. C'est une battante cette gamine. Bon, bah t'en fais pas, bro, genre là t'inquiète pas quoi. Ah, mais c'est ça le gris, on se booste tous. Mais c'est ça en fait, on s'entrebooste au final, c'est ça. On s'entrebooste. Ça commence à faire bizarre. Je vais t'entrebooster. Oui, là c'est en guérison, maintenant il n'y a plus de soucis à faire à ce niveau-là. Quoi. Ouais. Bon, toujours sous surveillance, bien entendu. Hein. De temps en temps, bah, c'est pour ça que des fois je suis pas là. Hein. De temps en temps, bah, je vais faire des petits tests à l'hosto, machin. Pour le moment, ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Ben, je suis surveillé pendant 5 ans, là, puis après, là, un peu moins, mais... Là, il a
Oui, elle va montrer si on une... voit. Non, on verra pas. Si on voit quand même. Je sais pas. Ça s'appelle un pack. Mais en fait, il te pose ça pour éviter de te faire trop de piqûres dans les. Ouais, dans les bras, ouais. Dans les bras ou dans les jambes. Puisque sinon, les doses de piqûres qu'ils te font, en fait, bah, tous j'ai les pris un tout peu le plus temps. de 500 piqûres, hein. Voilà. En fait, ils t'abîment, quoi. Et pour pas t'abîmer, maintenant, ils te posent un espèce de truc. Ça marche, le Day-Night. Et ça C'est va dans parti. dans une artère, c'est ça? Ouais, bah, c'est relié à l'artère, en fait. Ça part dans le cœur, c'est relié à une artère. Et en fait, il passe là, dans un fil, après t'as un petit truc, t'as le cathéter plus loin. Et en fait, au lieu de faire plein de piqûres, t'en as qu'une. C'est pratique. Ouais. Pratique. Mais du coup, ça lui fait une espèce de bosse chelou, là. Ça fait un petit côté détroit, tu vois. Ouais. J'ai été amélioré. Ou comment ça s'appelle, là, je sais pas, le truc, l'implant, le kicker. Je sais plus. Bon, je sais plus. Mais si, le super-héros rouge. Ah, Iron Man. Voilà, Iron Man. Ah, oh bah là oui! Bon, t'inquiète, je voulais pas de soucis là. T'es, j'ai mis à poil hein! C'est ça quand elle a enlevé le truc. Ouais, c'est ça, faut que le moral il aille. Moi j'ai même pas été abattu quand ils me l'ont dit. Hein. Non, bon, c'est on y ça va. Le pire quoi. C'était lui le mieux en fait. On racontait des conneries à l'hôpital, machin, je faisais rire les gars. Bon, on en fout, hein. Go hein. Moi bon, y a une complexité, ben on y va, tant pis hein. Faut pas. C'est comme ça. Iron Man, c'est ça, Yubé. Non, mais comme ça explique certaines situations. Après, comme ça, quand vous voyez des gens en live, que de temps en temps, on pourrait peut-être vanner parce que ben, je suis là en train de rien foutre, parce que je joue, mais il faut rien, il joue. Mais voilà, pas la peine non plus de les vanner parce que vous savez ça, vous êtes trop méchant, mais voilà. Et j'avoue que ça vous explique certaines situations, pourquoi des fois je peux pas être là, pourquoi des fois je suis juste fatigué ou pas spécialement d'humour. Voilà, ouais, comme ça vous savez. Mis, c'est, ou même des fois juste peut-être être agressif alors que c'est peut-être pas la peine, ça pourrait arriver. En général j'essaye que non, mais ça peut arriver quoi. Et c'est pas volontaire, ça serait pas volontaire quoi. Du coup, c'est pour ça que je voulais profiter des 1000, on en a parlé, comme ça c'est cool, maintenant voilà. On n'empêchera toujours pas de faire du bon Red Dead, de bien s'amuser ensemble. Donc on va bien s'éclater, quoi. Parce que là, il y a du bon, Rockstar nous a laissé du bon, là. Aujourd'hui, c'était cool, quoi. Très bonne nouvelle, quand même, hein. Bonne nouvelle, aujourd'hui, quoi. Bah merci, The Night, hein. Ouais, c'est ça. Normal, quoi. Mmh. Il faut, hein. Ah ben oui, c'est sûr, ça, de Night, c'est sûr. Hein, ouais. Mais de votre côté, le live, du coup, ben, c'est le fait de ne pas bouger trop de chez moi. Ça m'apporte un lien social qui est quand même important aussi, quoi. Ça fait, ouais. Ah, ça fait pour son ça petit qu'il besoin est de quelques là, luettes. Hein. Ben, qui ouais. Qui sort pas, en fait. Vu que je sors pas, voilà, c'est pas plus mal, au final. Hein. Vous me portez aussi, dans l'idée, ouais, vous me portez aussi. Bien, hein. Donc c'est cool, quoi. Bonne nuit Zabra, gros bisous. Eh ben ça marche Zabra, merci en tout cas, bisous à toi à la Disney. À bientôt. Je remercie Froze. Bonne nuit président, Sarah Hurt, sénatrice. Born to be yak. Oui, c'est clair, ouais, c'est bien d'avoir un petit coup de visage, là, c'est cool, quoi. C'est comme je l'avais expliqué, je voulais pas trop le mettre sur Red Dead, c'est le jeu, il est beau. C'est con de gâcher Red Dead avec ça, quand même. Oh. Non, mais en fait, le problème, c'est le gros cadre, en fait, qui me dérange. Ouais. D'avoir tout le décor derrière, bah, c'est un peu chiant. J'ai vu une petite tête, là. Je sais pas comment je vais passer. Bah, passe, c'est pas accroupi, tu te mets accroupi. Non, dans tu les glisses de télé, là, tu voilà. Fais le serpent dans l'escalier. C'est pas grave, Jo, t'inquiète. Pas de problème. Ben oui, peut-être un jour, t'inquiète. Vraiment, occupe-toi de mais toi, il n'y a pas de souci. Il y a un fantôme, c'est notre fille. Mm.
Mais t'inquiète, c'est pas grave, hein, Joe, y'a pas de soucis. Hein. C'est pas une obligation. Comme on dit, suive qui peut. On me j'imagine, oui. Mais comme je disais, j'aimerais bien avoir un petit fond vert. Mm. Histoire de avoir juste la tête qui se détourne sur le truc, ça fera déjà plus sympa, quoi. J'avais peut-être au-dessus de la mini-map, là, par exemple. Ce serait peut-être pas mal. Ou alors à l'opposé. On verrait peut-être pas certaines infos pour voir. À tester, quoi. C'est une fille qui est folle. Mm-hmm. Hein? Oh, mais je suis normale, hein. Tiens, il y a un fantôme chez vous. Oui, j'ai vu Cricri qu'il y en avait, j'ai hésité. Mais j'aurais bien aimé un pliable en fait, tu vois. Ah, histoire de pouvoir le ranger, le monter. Ouais, voilà, parce qu'au début, je vais le laisser avec des punaises limite collées au mur, il n'y a pas moyen. Ah, puis il faut un truc qui se déplie, ou alors tu le fais. Il y a moyen de le fabriquer, je pense. Hein. Si tu prends juste une toile et que tu arrives à faire un système d'enroulage automatique. Mmh. Ouais, moi, pas con des nacres. On aurait une ça, ce serait exprès, excellent, les grisous. Ouais, mais tu diras ça, les grisous, ouais. Bon, bah, y'a pas de soucis, Jo. Hein. Maintenant, Joe, faut pas. Justement, c'est ça, il faut booster, mon gars. De toute façon, ça finit toujours par s'arranger, de toute façon. Ouais. Une fois que t'as touché le fond, c'est à ce moment-là que, hop, tu tapes pour remonter. Si on en a eu des emmerdes. Comme on dit, c'est une fois que t'as touché le fond, tu connais la profondeur. Voilà. Ah ouais, non, mais là, ouais, bah c'est la caméra PlayStation, hein. C'est de la vraie daube. Hein. Ah, pour connaître, hein, tu payes 70 boules, mais c'est de la vraie merde. Hein. Franchement, c'est des escrocs. Qualité de merde. Même celle de la PS3 ou de la PS2, elle marchait 10 fois mieux que ça. C'est plein de pixels, c'est plein de pic-pic. Hein. Pourtant, notre lumière, elle est à fond. Enfin. Et la lumière de l'aquarium aussi. Dans ma série, il y a une télé, mais j'en étais sûre que ça m'avait retenu un défi. Mais du coup, oui, ça fait partie des investissements qu'il y aura dans le futur pour rendre justement, c'est ce que je voulais dire, les lives de plus en plus structurés. Petit à petit, avec le temps, voilà, une bonne caméra, les fonds verts, bon micro. Parce que là, le problème, c'est encore le micro. On essaie d'avoir un bon son, mais c'est pas encore gagné, quoi. Oui, le fantôme, il a une tête. Ouais, elle a une télé, ouais. Elle capte que Netflix, la télé. Non, une tête, c'est pas une télé. Bah oui, elle a une tête. Hein. Elle est encore timide, c'est elle a 15 ans. Hein. Oh, Alex, comment ça va? Hey, salut Alex. Ça va ou quoi? Tu tombes bien, j'ai changé les titres. T'as changé. Ah ah. T'avais un petit peu trop. T'avais un petit peu trop XP, donc j'ai changé un petit peu les titres. Tu peux aller jusqu'au niveau 130. Tu peux y aller. Ouais, un micro de studio, bon on en a un, mais bon, c'était une saloperie et déjà foutu. Merde. Mais ouais, c'est prévu d'avoir un bon micro, quoi. Mais bon, petit à petit, c'est du budget, parce que. Niveau pépette, c'est pas gagné. Hein. Vous avez capté la situation, du coup, donc c'est pas gagné, quoi. Il y a encore un peu de temps, quoi. C'est des économies. Regarde, il essaye direct. Allez, le froze. Eh ben, il est lièvre érudit. Oui, c'est pour ça qu'il avait remonté. Il était monté trop haut, là. Du coup, Alex, je me suis basé, j'ai déjà commencé en me basant sur les animaux de Red Dead. Donc, si tu veux, je te relis la liste vu que t'es là. Donc là, toi, t'as un lièvre érudit. Donc avant, ça n'a pas changé. Hein. Donc là, il y a lièvre érudit. Niveau 40, tu seras castor de la mort. Ça, c'est après, monstre de gilou.
Ensuite, opossum létal, blaireau alcoolique, raton laveur à mamelle. Moi, j'avoue que j'aime bien le raton laveur à mamelle quand même. Salut des Nights. J'ai toujours du mal avec les pseudos, moi. Passe une bonne nuit. Ça y est, bah, passe une bonne nuit, des Nights. Merci d'être resté et passe une bonne nuit, je te remercie. Bonne nuit. Après, coin-coin intrépide, piranga musclé, crapet sadique, saumon touffu et brochet maladroit. Et là, il y a un rang tous les 10 levels maintenant. J'ai fait comme ça, tous les 10 levels. Genre de téléthon. Mon pseudo, je pense à la musique de Kid Cudi. Day Night. Day and Night. Ah, mais c'est vrai, j'avais pas... Hey, mon gars, j'avais toujours pas vu qu'il y avait deux N en fait. J'ai corrigé mentalement, ça a corrigé tout seul. Bon, ok, j'y penserai alors. Day and Night. Ok, ben désolé du coup. J'ai même pas capté quoi. Ouais, ben j'écouterai, ah. Ouais. Pas de soucis, je t'en remercie. D'accord. Ça va venir, Youbud. C'est prévu pour les lico, pour le lico. Pour l'écureuil. Mais du coup, je ne m'en vais. Day and Night. C'est ça, RP. Tu tiens à ce qu'on dise RP dans ton pseudo quand on t'appelle ou tu t'en fiches? Savoir si je peux continuer à dire Day and Night ou si je dis bien Day and Night RP. Hey, c'est gentil, Froze, pour le jeu. Ok. C'est mignon. Oui, Julia Black, oui, tu m'en avais parlé, oui, Julia Black. Appelle-moi papa. Appelle-moi papa. Ah, mais t'es pas mon poney, je peux pas te siffler. Là, les grisous. T'inquiète, moi je suis riche, grisou, hein, t'en fais pas. Hein. J'en ai autant que toi, je crois. J'ai l'air kiffé, mais tu vas pas ouvrir un peu plus ça. Ça va casser. Bon, on s'en fout. Voilà. T'as bah cassé oui, mais... la photo aussi, elle tombe maintenant. Mais là, on sent l'air aussi quand même. Oui, la photo, ouh, elle se casse la gueule. Je bois une bonne. Yeah, moi, je bois une jade. Ça l'envers. Sans gluten, parce que j'ai pas le droit au gluten. Mon choix est resté. Allez, bonne nuit, Day and Night. Dors bien, à bientôt. Et bonne nuit. Allô, les grisous. Une Slimane, je ne connais pas. Ah, Slimane, excellent. Ah oui, il est au Canada. Bah, du coup, c'est pas, ils n'ont pas toutes les mêmes bières que nous. Hein. Ouais. Pas les mêmes trucs. Hein. Pas les mêmes bêtes. Hein. Tu fermes la poêle avant de partir. Merci. Là, rejoue. Tu vas m'aider à passer. Une jade. Oui. Pour l'escalier, faire attention. On le voit dans l'escalier. Ouais, je sais. D'accord. Ouais. Tu montes avec un truc. Franchement, non, elles sont bonnes. Hein. Mais j'en ai goûté des artisanales là, il y a une semaine à peu près avec Sarah. Hein. Ouais. Elles étaient trop bonnes, mais non. Non, non, on va pas traverser l'océan. Viens faire un bisou. Viens faire un bisou. Je vais faire un zoubi. Elle veut pas me faire de bisous. Non, mais il y a la caméra. Moi, je suis triste. Je vais remonter par terre. Mais c'est juste qu'il y a pas de bisous. Tu verras bien. Bon courage, Emma. On va te voir te bouffer dans l'escalier avec tes conneries, Emma. Ils disent bonsoir, Emma.
Attends, je fais une place. Même le chat, il hallucine. Hein. C'est toujours une aventure avec Emma. Hein. Ah, mais c'est ouf. Un sketch. C'est sûr, Emma, c'est une caricature de Jo. Voilà, un peu spécial. Oh putain, j'ai mon idée. Ils te disent bonne nuit, hein. Ah, bonne nuit. T'es une petite voix. On a même trois chats. Trois belles bêtes. Je te dis, elle va se vautrer dans les escaliers. Ah là, c'est possible, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Elle trouve une technique pour pas qu'on la voit passer dans l'escalier. Alors, elle va se casser la gueule, on va te appeler les pompiers et en plein live en fait. Ouais. C'est ça. Un drame en plein live. Je vais mordre de rire de sa connerie. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, quoi? Eh oui, du bud, trois. Et trois femelles, par contre. Hein. Ah. Pour éviter des problèmes. Oui, c'est mieux, sinon on aurait 100 à cette heure-ci. Mmh. Alors, c'est bon, vous êtes chaud pour Red Dead là, ça vous a motivé? Comme des belles choses qui arrivent, hein. Encore, ils n'ont pas parlé des accessoires. Ah bah oui, on t'a tout. Pas ça vu du tout. Le coup. Tu crois qu'en te cachant la tête, on te voit pas, t'es sérieuse? Mais quoi? Là, sur les photos, on voit bien, hein. Il y a quand même une cartouchière, il y a un putain de beau poncho. T'as vu aussi l'holster main faible, il est pas placé de la même manière. Pourquoi la barbe? Il y a le cache-œil aussi. Pourquoi quoi la barbe à moi? Oui. Parce que j'aime bien la barbe. J'aime bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est joli. Pourquoi pas? Et donc on voit que le chasseur, il a une sacoche aussi. Ben là, on voit bien la lampe. Ouais, on la voit bien, ouais, les jumelles, la lampe. On voit que ça par contre. Hein. Il y a peut-être un truc là, on dirait une bandoulière. Il y a quand même un sac en bandoulière, hein, regarde. Il y a un truc là sur l'épaule, on dirait, mais je vois pas trop ce que c'est. Manima. Je sens qu'il y a encore une autre sacoche. Il y a, regarde. Il y a quand même une autre sacoche en fait de l'autre côté, je crois, des petits sacs. Ouais. Il y a plein de petites de petits sacs. Mais voir la photo du marchand, regarde. Marchand, il n'y a pas beaucoup de détails. On voit qu'une sacoche ceinture. Non, c'est pas très beau quand même. Hein. Non. La veste aussi, elle a l'air sympa quand même à voir. Mmh. Mais il y a un collier, regarde, par contre. Lui, il a un collier. Je dirais pas un collier, plutôt un... Tu sais, ou les un foulard avec là, un... Le truc avec deux ficelles. Ouais. Par contre, celui du chasseur de primes, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Ça reconnaît. Je sais pas si c'est normal, tu l'as envoyé où? Putain, j'ai ri la chute de mon lit. Ah, tant mieux. Maintenant, on faisait quoi? Bon, on discutait. Après, on a aussi parlé de. Quand ça s'appelle la Red Dead avec les trois métiers. Je sais pas si t'as vu, mais Rockstar a fait une annonce où ils précisent bien que les métiers arrivent en détaillant un petit peu plus les choses. Hein. Et on a critiqué Alex, mais ça fallait pas le dire. Mmh. Donc il y a pas mal de trucs qui arrivent quand même. Ça c'est cool. Ah tiens, Joe. Santé. C'est ma dernière bière en plus.
Ah bah toujours pareil, c'est le social club, hein, tu regardes des photos. En regardant les photos, tu vois quelques détails quand même sur les personnages. Il y a des petits détails intéressants. Là, ça met des holsters sur le côté, là, comme ça. Comme tu vois dans certains films. Ils existaient déjà à l'époque. Tu vois, tu pourrais sortir. Ça serait vraiment stylé, quoi. C'est super beau. Ça, je verrais bien un holster comme ça, moi, ça me plairait, quoi. Que j'ai pas fait mes défis moi aujourd'hui. Non. Bah oui, j'ai pas eu le temps de jouer. Bah faut y aller. Bah oui. Bah tu te mets en cam Red Dead non? Pour une fois. Pour ouais, pour faire la, pour finir la soirée. Bon, allez, un petit coup de Red Dead. Ouais. Allez, on va aller faire les défis avant qu'il soit trop tard. Marie, elle les a pas fait. Je suis pas sûr d'en avoir fait un non plus au final, maintenant qu'elle le dit. Donc on va stopper la tienne froze. À la tienne froze. Donc là, on va stopper la cam là et on va envoyer Red Dead. Voilà. Les chairs, tu envoies ça comment? Je crois qu'il faut que tu cliques en haut là où il y a les chairs déjà, je crois. Hein. Non? Ou si là, en bas là, dans la barre de chat, Panouzio. Ouais, tu cliques dans la barre de chat là, tu vois, il y a un smiley et à côté il y a une icône en forme de diamant ou je sais pas quoi. Je pense que c'est là. Pas encore Alex, j'ai pas été voir Insta pour le moment. Je n'ai point vu. Si là je vais mettre la cam pour ce soir. Les prochaines fois je la remettrai pas, mais ce soir je vais la mettre pour finir. Ah, c'est sans faire les défis de moi et Marie, puis après ce sera pas mal, je pense. Bon ben, on se retrouve tout de suite sur Red Dead, hein, le live a coupé, j'ai pas le choix. Mais on se retrouve là-bas dans 2 minutes. On se tous là. Et je regarderai Alex, après le live je regarderai de toute façon. Allez, à tout de suite sur Red Dead. Tout de suite. Encore merci à ceux qui sont venus, s'il y en a qui ne reviennent pas. Sinon, à tout de suite sur Red. Et bisous. Bisous.